Come over here and perform for me. C'est pas possible. Mon Dieu, Lily. Lily, je suis là! Où es-tu? Oh non, elle est là-haut! Comment une telle chose a pu arriver? J'arrive, Lily! Tiens bon! Je suis là, Lily. Je suis là. Lily. Viens, ma chérie. Lily. Où es-tu? Je suis là. Papa est là. Tu n'étais pas là pour moi, papa. Kidman? Bonjour, Sébastien. Ça fait longtemps. 3 ans. Ça fait 3 putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille? C'est ça?
Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai ? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. On croirait entendre ce con de psy qu'ils m'ont obligé à consulter. Mais il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi. Vous allez tout me dire. À propos de Mobius. Je suis là à cause de ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Lily est toujours en vie. Quoi ? Lily est morte ! J'ai lu le rapport d'enquête ! On l'a enterrée ! On peut réécrire l'histoire si on le désire. Simuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir ? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Enlève tes sales pattes. J'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. Sébastien, vous êtes réveillé. Bien. Ouais, c'est ça, bien. Où est-ce qu'on est ? Vous êtes dans une de nos installations. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Faites attention à ce que vous dites. Ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Ouais. Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries. Où est Lily ? Patience. Toutes les réponses sont juste là. L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contretemps malencontreux. Mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau stème plus élaboré. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée au noyau que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin, jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique, facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie.
Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Vous pouvez la sauver ou la laisser mourir. Le choix vous appartient. Bonne chance, Sébastien. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne nous faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily, pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur. Vous êtes prêts? Soyez prudent, Sébastien. On compte sur vous. Entrez dans le stand dans 3, 2, 1. Où est-ce que je suis? Papa, au secours! J'arrive, Lily! Papa! Mira, je sais que c'est difficile à accepter. Mais elle est partie. Notre petite fille est partie. Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. C'est quoi cet endroit? Inspecteur, on a un appel. À toutes les unités, 1199, exécutez code 3, hôpital psychiatrique Bigor. Kidman. Qu'est-ce qui... Reprenez-vous. Vous êtes en un seul morceau. Comment vous sentez-vous? Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein? Alors où est ma famille? On dirait mon ancien bureau, au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question.
Allons droit au but. Nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel ? Il y a des photos d'agents de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le STEM. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union. Cet environnement du STEM a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville appelée Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça ? Si quelqu'un en est capable, c'est bien vous. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un œil. Lily, votre équipe, et maintenant moi. Nous sommes tous prisonniers du STEM. Je comprends pas pourquoi vous pouvez pas simplement les sortir de leur caisson et les réveiller. Ça ne marche pas comme ça. Sans noyau, il nous est impossible de rentrer dans le système. Si on retirait de force quelqu'un du STEM à ce moment, ça les tuerait. Et leur conscience se retrouverait piégée ici. Magnifique. Mobius a vraiment des plans de secours bien huilés. Je vous en prie, épargnez-moi vos sarcasmes. Vous devez trouver Lily. Sinon, elle mourra. Comme vous. Et comme tous ceux qui sont à l'intérieur du STEM. Baker, chef d'équipe. Je vais essayer de le trouver en premier. Harrison, spécialiste du combat. Il devrait pouvoir se débrouiller seul. O'Neill. Il devait pas s'attendre à des problèmes pour envoyer autant de techniciens. Sykes, un technicien. Mais au moins il sait se servir d'arme de poing. Hoffman. Psychologie et surveillance. Celle-là, je ferais bien de m'en méfier. Union, hein ? Ça ressemble à n'importe quel bled paumé. On l'a conçu ainsi pour que les sujets de test restent calmes et détendus. Calme et détendu. Tout le contraire de Beacon. Ce qui s'est produit là-bas était hors de notre contrôle. C'est clair que vous avez l'air de tout contrôler cette fois-ci. Écoutez, je ne sais pas sur quoi vous allez tomber là-dedans. Si vous avez besoin d'informations, je vous conseille de vous adresser aux habitants. Vous savez passer la zone au peigne fin, comme vous me l'avez appris quand on faisait équipe. Vous n'avez jamais été un véritable inspecteur. Et vous, vous ne l'êtes plus. Mais essayons quand même d'inspecter un peu, d'accord ? C'est Lily qui a fait ce dessin de moi. Il a brûlé avec tout le reste de la maison. Ma première distinction. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. C'est un peu vrai, d'une certaine manière. Un chat. Je me rappelle pas avoir jamais eu de chat. Un projecteur. D'où sort ce souvenir ? De mon école primaire. Kidman, vous êtes là ? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné. J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. C'est faux. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je vous crois pas. Pourquoi est-ce que je mentirais ? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Ok, je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traitée comme un fardeau, au lieu d'une fille. Mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez ? Peut-être. Au moins vous aviez des gens qui se souciaient de vous. Pas faux.
Merci, le chat. Un miroir. Comme un beacon. Ça doit être la sortie. Je pouvais pas avoir des portes normales dans mes souvenirs. Et c'est reparti. De l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui va pas? La tête de ma poupée est cassée. C'est pas grave. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer. Sébastien, ça va pas? Tu te sens pas bien? J'ai une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas? Viens là, Mira. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûr que tu ne couvres pas quelque chose? C'est le bon endroit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. Chef d'équipe. Une balle pile entre les deux yeux.
Un sadique. Celui qui a fait ça a bien pris son pied. Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie. Ou l'entrée. Y'a quelqu'un ? Putain. C'est qui ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Faut que je trouve un moyen de sortir de là. Thank you.
Merde. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cet endroit ? T'étais où quand j'avais besoin de toi?
C'est peut-être le bon endroit. Lily, j'espère que tu es là. Dans quoi je me suis embarqué ? Kidman ? Sébastien, où étiez-vous ? On vous avait perdu. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses... Ah, fait chier, c'est un deuxième Beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué ? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça. Ah, le pauvre, abandonné là, à pourrir. Vous inquiétez pas, Sébastien, c'est une petite ville tranquille. Ouais, un peu trop tranquille. Eh oh ! Quelqu'un ? Doit manger que la peau sur les os. Manger, doit manger que la peau sur les os. Doit manger. Finis ton assiette. Doit manger la peau sur les os. Kidman. Vous avez fait vite. Vous avez du nouveau. Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau Beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va, Kidman. Je m'en occupe.
Je vais la retrouver. Quoi encore ? Des agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Merde. Ces saloperies sont partout. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type.